Il y a des films qui ont un goût particulier, qui marquent, qui restent dans la tête du spectateur dès sa sortie de la salle. Bien plus encore que de les qualifier de chefs-d'œuvre ou de classiques, quasi instantanément parfois dès que l'on quitte la salle, ce sont des moments de cinéma qui ne sonnent pas comme les autres, que ce soit simplement parce qu'ils veulent sonner ainsi ou parce qu'ils laissent un sentiment rare, lorsque peut-être on ne s'attendait pas à être aussi marqué par l'objet que l'on a sous les yeux. Certains sont des morceaux de bravoure, uniques, singuliers et rares, qui n'étaient peut-être pas forcément destinés à l'être ainsi. Mais parfois, voire même heureusement pour nous, certaines de ces œuvres se voient ainsi, comme des moments de cinéma uniques en leur genre, de vraies perles, de vraies raretés cinématographiques, qui auront forcément leur lot de détracteurs, mais sonneront avant tout comme des moments impérissables qui ont marqué l'histoire du 7e art. Et indéniablement, le film ici présent a beaucoup divisé, mais à mes yeux reste une pierre angulaire de son époque. Bien plus encore que d'avoir marqué le cinéma moderne, il est l'œuvre d'un metteur en scène ayant toujours cherché à repousser les limites du cinéma, à donner lieu à plus qu'une simple et vague expérience qui marquerait dans l'instant, mais donna lieu à de très nombreuses reprises, à des œuvres uniques et folles. Son 8e long métrage de fiction en fut une nouvelle fois la preuve indéniable, l'envie de la part d'un auteur de repousser les limites de la création audiovisuelle pour donner lieu à bien plus qu'un voyage dans l'espace sur une planète inconnue, mais bien un trip mettant en œuvre tout ce qui était possible et imaginable à l'époque pour rendre un imaginaire crédible malgré sa démesure. Un moment de cinéma en or massif, porté par un récit connu de tous, mais que son auteur a su sublimer par la forme et le fond de son objet pour emporter le spectateur dans un univers dingue, un univers dont seul lui a le secret, même encore aujourd'hui. Voyageons donc ensemble vers la planète de Pandora et plongeons dans l'univers d'Avatar. On critique souvent Avatar pour son scénario extrêmement classique. Mais celui-ci est-il si simpliste que ça ? On dit souvent que James Cameron a pompé ou facilement retranscrit un récit qui ressemble fortement à celui de Pocahontas. Ce qui en soi est loin d'être une bêtise tant le métrage possède des points communs évidents. Mais en soi, le script d'Avatar est une démonstration de l'universalité indéniable d'une aventure qui sonne comme folle, qui sonne comme merveilleuse, qui sonne comme magique même en un sens, celle d'un homme cherchant à nous plonger dans un récit initiatique dans lequel tout le monde réussira à cerner et comprendre les enjeux pour y glisser ensuite tout ce qui l'intéresse. Cameron cherche ici à parler de notre époque, de la planète, des dangers de la surindustrialisation ou de la trop grande envie et propension de l'homme à coloniser des terres qui ne lui appartiennent pas. Et en ce sens, l'universalité du récit permet dans un premier temps d'immerger le spectateur pour qu'il comprenne totalement les enjeux qui par la suite seront mis en place au cœur d'un récit certes classique, mais jamais aussi simpliste que l'on puisse évoquer certaines critiques. Cela reste tout de même dense et merveilleux à suivre du début à la fin. La manière de réaliser et de mettre en scène de James Cameron a toujours été impressionnante. Il est évident que le metteur en scène américain a toujours aimé les histoires grandioses, mettant en relief des actions ou dantesques ou romanesques ou juste hallucinantes d'émotions, et celle-ci est à cette image. Avatar est la parfaite mise en avant de tout ce qui passionne James Cameron, soit un univers de science-fiction, où il peut se permettre un florilège d'imagination et de création graphique dans lequel il insuffle une émotion à fleur de peau tout du long de l'avancée de son personnage pour ne pas uniquement parfaitement servir son propos, mais également son esthétique. Une esthétique qui se veut réaliste, crédible, malgré ce travail des effets spéciaux tout simplement fou, qui, il faut le rappeler, est supervisé par Cameron lui-même, ainsi que par ses équipes de Lightstorm Entertainment, démontrant tout de même de manière totale l'investissement de Cameron dans la création visuelle et graphique de ses univers, et parvenant dans la foulée à montrer qu'il est un esthète, parmi un cinéma de divertissement qui aujourd'hui ne laisse que peu de place à des auteurs de cette trempe. Et cela se ressent profondément dans son travail esthétique et graphique. C'est un point singulier que celui-ci, mais il a clairement fait le cachet du film à sa sortie. À sa sortie, pour vous parler un peu de moi, j'avais 17 ans. J'étais persuadé que je ne pourrais plus jamais regarder une œuvre sur un écran sans relief, tant le métrage de Cameron m'avait donné une sensation rare avec ce graphisme unique et absolument renversant qui avait estomaqué tout le monde à l'époque. Encore aujourd'hui, la 3D d'Avatar est largement considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du cinéma, tout simplement parce qu'il avait su comprendre comment l'utiliser correctement pour ne pas simplement donner lieu à un bon divertissement en relief, mais à une vraie œuvre immersive en lui rajoutant une nouvelle dimension cinématographique. Si avec le temps cette technologie a clairement perdu de sa saveur et surtout de sa puissance visuelle et narrative, Cameron avait su en ce temps la sublimer,
lui donner une portée tout simplement folle, une dimension artistique dépassant clairement le stade pour lequel elle avait été conçue lors de son invention, lui redonnant de nouvelles lettres de noblesse pour une œuvre absolument marquante par le biais de ce procédé unique. Et qui hante toujours ma séance de cette époque. James Cameron a toujours bien su s'entourer. Et pour ce film, il se devait de l'être, tant il devait se reposer sur un casting comprenant la dimension assez folle du projet, même si quelques grands noms du genre étaient tout de même passés par là avant Cameron, pour expérimenter à fond cette expression artistique d'acting unique en son genre. Mais avec Weaver, Worthington, Saldana, Moore ou encore Study, le metteur en scène a pu se reposer, complété bien sûr avec la technologie adéquate, sur des performances rares qui insufflent à ses différents personnages, que la technologie aurait pu freiner, comme ce fut le cas un peu chez Zemeckis, mais que le metteur en scène a su diriger dans la meilleure direction possible pour emporter bien plus qu'un moment de cinéma dans la meilleure direction possible, mais également permettre à ses acteurs de donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au bout. On met beaucoup en avant la performance technologique de ce métrage, mais on en oublie trop souvent la puissance de ces acteurs qui se sont donnés à fond pour donner une portée émotionnelle et affective à cette technologie, et donc en un sens à ces héros de cinéma taillés pour eux et pour nous. Ils sont l'univers d'Avatar, et ils le seront toujours. Avec tout cela, que retenir de cette œuvre? Eh bien que malgré ce que je viens de vous dire, encore aujourd'hui, certains la critiquent vigoureusement. Et même si l'on admet ouvertement qu'il s'agit d'une œuvre phare visuellement, son histoire semble encore laissée de marbre, son visuel semble montrer à certains un trop-plein de graphisme et un manque de crédible, certains n'y voient qu'une immense coquille vide au service d'un spectacle toujours plus sublimé par les studios américains comme l'antithèse de ce que le cinéma devrait faire, amener du crédible dans son image esthétique. Mais on ne peut limiter l'œuvre de James Cameron à simplement cela, à une coquille vide, symbole de la marvelisation des grosses productions aujourd'hui, car Avatar est bien plus que cela. Il s'agit d'un blockbuster que l'on doit mettre à côté d'un Mad Max Fury Road ou d'un Gravity. Soit un moment de divertissement au service d'une crédibilité graphique basée sur l'imaginaire d'un auteur cherchant à repousser les limites du cinéma pour nous en donner toujours plus. Et au fond, c'est cela qui fait d'Avatar, à mes yeux, un chef-d'œuvre inoubliable.